Hello, suite de notre travail sur le petit morceau en picking joyeux de la dernière fois. Donc on avait bossé ça, je rappelle. On était là. Donc il nous manquait un petit bout pour finir le cycle. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne un espèce de ré. Et donc on va procéder comme ça. Je ne pose pas la corde aiguë, puis je n'ai pas à la jouer. Je vais faire basse, les deux cordes sol et si en même temps, avec un index et majeur. Donc je fais ça, pouce pour la basse, les deux cordes ensemble, mon pouce vient chercher la corde de ré. J'alterne corde de ré, corde de sol, et je finis corde de si, corde de mi ensemble. Toujours en respectant le côté ternaire. Et après, je me retrouve comme au début. Je refais du début. 1, 2, 3. Ok, donc on a vu que j'ai repris le thème du début. Donc jusque-là, je suis exactement à l'identique à la première partie qu'on a travaillé la vidéo précédente, et voilà la fin. Donc, je fais la mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, on l'avait déjà vu, pincée corde de la et de si. Ok, pincée corde de la, corde de si, les deux cordes centrales ré et sol avec pouce index. Et la nouvelle partie, donc on doit être, il ne faut pas se planter. Quand je suis dans le feu de l'action, je ne me plante pas de doigt, là je me plantais. C'est l'index qui va faire la corde de sol, pincé avec la corde de mi grave. Je pull off is de 2 à 0 pour aller récupérer après un 4 sur la corde de ré. Et c'est le pouce, bien sûr, comme il alterne les basses, qui va venir chercher. Et la dernière note, c'est un mi aigu. Normalement accordé en normal, comme on est en ré, là c'est un ré. Mais bon, moi je préfère vous parler sans tenir compte de l'accordage, sinon ça va vous perturber. Et pour finir, je fais la basse de la et encore pichenette sur les quatre dernières cordes. Et voilà, et après ça repart du début. Donc après ça redémarre tout en haut, et on pourrait dire pour finir le morceau, si on doit tourner ça en boucle, on remplace la toute dernière mesure, celle qui faisait ça là, je vous ai montré tout à l'heure, par ça. Donc qu'est-ce que ça donne? Encore mon espèce de ré là. Donc je fais la basse de la, après corde ré sol si ensemble. Et le dernier, ça nous fait un mini accord qui fait ça. 4, 3, 5. Avec une basse là. D'accord? Donc je refais la fin. Donc pour mettre ça à la suite. À vous de jouer, bon courage, ça risque de vous occuper un petit moment, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc ça se joue deux fois, trois fois plus vite. Je vous note le mec, c'est une découverte. Un super super guitariste, Robbie Mac, je sais plus comment. Je vous mets tout ça en lien après. À vous, à bientôt, travaillez bien. Ciao.